Dans la série Hijack d'Apple TV, l'acteur d'origine sierra-léonaise Idris Elba joue le rôle de Sam Nelson. Alors qu'il partait rendre visite à sa famille, il se retrouve pris en otage avec plusieurs autres passagers par des voyageurs armés difficilement contrôlables, semant la panique tout au long du trajet de 7 heures entre Dubaï et Londres. L'idée était d'être assez réaliste. Nous avons réfléchi à ce genre de montage. Et puis on s'est dit qu'il fallait trouver un avion dans lequel nous allions tourner avec les moyens de bord, les moyens dont nous disposions. C'est ce que nous avons fait. C'est ce qui nous a finalement vraiment aidé, ce cadre qu'on a utilisé pour jouer ce film, les perspectives qui s'offraient à nous, juste l'espace qu'on avait. Et je pense que cela a amplifié la nature oppressive de ce que nous avons comme résultat. Et cela ressemblait au final un peu à une pièce de théâtre à certains moments, parce que vous avez une poignée de personnes autour de vous, y compris l'équipe de tournage, et vous êtes dans cette sorte de choses. Ce négociateur dans le milieu des affaires sera amené à utiliser ses talents pour ne pas que la situation dégénère. Une sorte de jeu psychologique auquel Sam Nelson est habitué. J'ai été choisi pour jouer le rôle d'un grand homme. Dans cette situation, Sam est beaucoup plus qu'un être humain. Et en plus, il est vulnérable. Il n'est pas là pour se battre. Il est là pour utiliser ce genre de psychologie, ce genre de modèle de négociation pour permettre aux gens de se sentir à l'aise tout en leur disant ce qu'ils veulent entendre. La série se décline sur 7 épisodes allant de 44 à 52 minutes. Connu pour ses rôles dans The Wire ou encore Beast, l'acteur de 50 ans est appelé ici à jouer de son charisme pour s'imposer. It's a network running all across Europe. To them, we're an incoming missile. It's either us or them. I can tell you, it's not going to be us.